Salut tout le monde, c'est Triox, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour la suite de nos aventures sur Kingdom Hearts 3 en français. On va continuer du coup le monde de Corona et on va voir ce qui se passe. C'est sûrement les cloches du royaume qu'on entend. On va voir ça. C'est je par là, j'imagine. Vu autant de fleurs. Ouais, c'est par là. Oh, c'est à couper le souffle. Hop, bientôt arrivé. Allez, à bientôt du coup au château. Voilà, magnifique. Je savais que le monde extérieur serait rempli de merveilles. Et vous m'avez aidé à le découvrir. Merci. Réponse a l'air vraiment contente. Ça va. Son rêve va bientôt se réaliser. Ils lâcheront les lanternes à la nuit tombée. Cool. Faudra pas rater ça. Allez, on va voir ça du coup. Avant, on va sauvegarder. C'est la fête. On va voir au niveau des objets si on a des choses à acheter. Ça on les a déjà, c'est déjà ok, c'est déjà fait. Ok, bon, on va voir ce qui se passe. Hey, c'est pas une place au bout de la rue. Oh, regardez ça. Princesse disparue. Continue de danser. C'est tellement amusant!
J'ai passé 18 ans de ma vie à regarder le monde de ma fenêtre, tout en rêvant à ce que l'on peut ressentir en voyant ces lumières s'élever dans le ciel. Je commence à douter de ce que j'ai imaginé, et si je m'étais trompée. Ne doutez pas. Et si c'est comme je l'ai rêvé, que se passera-t-il après? Oh, une chose passionnante. Vous devrez trouver un nouveau rêve. J'ai quelque chose pour vous, moi aussi. J'aurais dû vous le donner plus tôt, mais j'avais peur. Et c'est curieux, maintenant je n'ai plus peur. Vous comprenez? Je commence à comprendre. Je suis désolé. Tout va bien. J'ai seulement un petit problème à régler. Je vous attends. Je reviens vite, promis. Tout va bien, Pascal. Wouah !
Franchement, vous auriez pas pu choisir un autre moment, les gars? Je crois qu'ils savent pas vraiment apprécier la vue, Sora. Pas du tout. Chassons ces troubles faites de la Danska. Ouais. Allez, c'est parti. T'as dû longtemps un petit combat. Eugène ? Eugène ! Ma pauvre enfant, il est parti avec la couronne en vous laissant ici. Non ! C'est faux ! Qui êtes-vous ? Oubliez Flynn Rider. Vous savez où est votre place, et ce n'est pas à ses côtés. À présent... Petite fille chérie. Mère ! Oh, tu n'es pas blessée ? Tu n'as rien ? Mère, comment avez-vous ? J'étais terriblement inquiète pour toi, Trésor. Alors je t'ai suivie. Et j'ai vu ces choses t'attaquer. Oh, chérie. Allez, vite. Allons-nous-en, avant qu'ils ne reviennent. C'est réponse, non ? Hé ! Réponse ! Un peu de tenue, voyons. À quoi toi ? Marluxia !
La fille a enfin retrouvé sa chère mère. Tu devrais les laisser tranquilles. Et pourquoi je ferais ça? Parce que réponse est bien trop importante pour nous. Elle doit absolument rester cachée au sommet de sa jolie tour et vivre à jamais aux côtés de Mère Gothel. Et ne jamais voir personne! Mais ce serait comme si elle était en prison! C'est exactement l'effet escompté. La chevelure de réponse renferme un grand pouvoir de guérison. Et oui, Mère Gothel veut le garder pour elle, comme bien d'autres. Si les agissements de Mère Gothel protègent réponse, la préservent, alors elle rend un fier service à l'organisation 13. Quel service? Disons plutôt qu'elle nous garde réponse au chaud, si tu préfères. C'est au cas où toi ou tes amis n'arriviez pas à trouver les autres gardiens de la lumière. Et que par le fait, on doit faire appel à d'autres cœurs de lumière. 7 nouveaux cœurs. Afin de combler les rangs. 7 nouveaux cœurs? Oui. Les 7 cœurs qui ont hérité de la lumière des princesses une fois leur rôle rempli. Donc tu t'en fiches d'elles? Vous vous servez juste de réponse par intérêt. Et ça, même pas en rêve. Je me doutais bien que tu en ferais toute une histoire. Dans ce cas, c'est extinction des feux pour toi. Toujours eu le sommeil lourd. Je suis la princesse disparue. Oh, je t'en prie, réponse. Combien de fois devrais-je te dire d'articuler quand tu parles? Je suis la princesse disparue, n'est-ce pas? Ai-je bien articulé, mère? Mais êtes-vous vraiment ma mère? Oh, réponse. Tu ne t'entends pas parler, mon enfant. Comment peux-tu poser une question aussi ridicule? Alors c'est vous! Tout est à cause de vous! Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour assurer ta protection. Réponse! J'ai passé ma vie entière à me cacher, à fuir les personnes qui auraient pu utiliser mon pouvoir! Réponse! Celle que je devrais fuir, c'est vous! Et où iras-tu? Ne compte pas sur lui. Que lui avez-vous fait? Ce criminel sera pendu pour ses crimes. Non! Allons, allons, calme-toi. Écoute-moi. Tu dois accepter l'idée que tout est mieux ainsi. Non! Vous aviez tort pour le monde extérieur. Et vous aviez tort pour moi aussi. Je ne vous laisserai plus jamais utiliser ma chevelure! Tu veux que je devienne méchante? Parfait. Dorénavant,
je serai la méchante. Flynn! Est-ce qu'il va bien? Je sais pas. On n'arrête pas de l'appeler et de le secouer, mais il n'ouvre pas les yeux. Ça va? Réveille-toi! Un acolyte dans les vapes. Attendez, je sais quoi faire. Max, fais-lui sa toilette. Zora! Bien, ça a marché. Bien joué, Max. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Oh non! Flynn, réponse est retenue prisonnière. Je sais. Dans la tour de sa mère. Il faut aller la secourir au plus vite. Vous venez avec moi? Ouais! Allons-y, Max! On va s'occuper de Flynn. Toi, va aider Réponse. Merci. Eh, hey, bah, pas du gameplay. Pas trop tôt. Parce que bon, on a fait tourner le combat en 22 minutes, on en a fait qu'un seul. Là. Laissez-nous tranquille. Non, pas aussi. Je sais quoi faire. Non, je peux prendre là. Yeah.
que c'est moi ou les chanteurs se multiplient. Ça va. Ça sent le roussi. Vite. Ils sont à toi. Si, c'est là, je suis venu là. Voilà. Mais non, c'est de l'autre côté. Ah, mais je vais arriver, hein. J'ai cru ne jamais te revoir. Hein?
La tour. Bah super ça. Allez, on va juste vérifier au niveau des compétences et des objets. Non, ça c'est bon, compétences. La spirale. Donald, normalement, il a rien à mettre. Non, c'est bon. Let's go, c'est parti. Réponse, vraiment. Cette fois, c'en est assez. Tu vas cesser de te débattre. Non, je n'arrêterai pas. Il ne se passera plus un jour, une heure, une minute sans que je me batte. Je ne cesserai jamais, jamais d'essayer de vous fuir par tous les moyens. Mais si vous me permettez de le sauver, je viendrai avec vous. Non ! Non, réponse. Je vous suivrai. Je ne tenterai plus jamais de m'échapper. Laissez-moi le soigner, je vous en prie. Et nous resterons ensemble toutes les deux. Toute la vie même. Si c'est là votre souhait, tout redeviendra comme avant. Je vous le promets. Je vous obéirai. De grâce, sa vie contre la mienne. Au cas où il vous viendrait à l'idée de vous lancer à notre poursuite. Oh, Eugène ! Comme je m'en veux. Mais rassurez-vous, tout va s'arranger. Non ! Réponse. Je vous le promets. Ayez confiance en moi. Non. Je t'interdis de te sacrifier. Je vous interdis de mourir ? Oui, mais si tu me sauves, alors c'est toi qui mourras. Tout va s'arranger. Réponse. Attends. Eugène, mais... Non ! Oh non ! Non ! Qu'avez-vous fait ? Qu'avez-vous ? Happée par les ténèbres, elle ne doit plus s'approcher de notre lumière pure maintenant. Sa présence ne ferait rien d'autre que la sombrir. Et on est parti du coup pour le boss. Que s'est-il passé ici ? Parti. Allez, vas-y. Ils sont à toi. Bien joué. Troisième barre en moins. C'est terminé.
Voilà. Let's go. Allez. Yes. Allez, plus que deux barres. Aïe. Voilà. Prends ça. Dernière barre. Allez. Voilà. Parfait ça. Est-ce que je t'ai déjà dit que j'avais un faible pour les brunes ? Alors, réponse, tu vas enfin découvrir ton vrai chez-toi ? Je sais, je veux dire, je n'arrive pas à le croire. Je vais enfin être avec ma véritable famille. Je n'y serais jamais parvenue sans votre aide. Mais de rien.
Eh bien, si tu veux mon avis, le royaume ne pourrait pas rêver meilleure princesse. Et moi, je ne pourrais pas rêver meilleurs acolytes. Merci. C'est vrai. Merci du fond du cœur. Tout est bien qui finit bien. Et maintenant, Maximus et toi, vous êtes copains. Hein? Ouais. Tout va bien se passer. Hein? On n'a pas vu celui qui contrôlait les monstres depuis un moment, donc c'est déjà ça. Mais il se pourrait bien qu'il soit encore à rôder dans les parages. Eh ben, s'il revient et qu'il cherche des ennuis à réponse, alors Flynn la protégera. Et nous trois, on sera pas loin derrière. Vraiment? C'est ma boss qui le protégera, si vous voulez mon avis. Pas faux. Mais quoi qu'il arrive, je garderai quand même un œil sur elle. Ah, oh, Eugène. Eugène? Oh, c'est mon véritable nom. Eugène Fitzherbert. C'est vrai. Je vous l'ai jamais dit, les gars. C'est différent. Moi, j'adore ce prénom. Moi aussi. Enchantée à nouveau, alors, Eugène. Hé hey, je pensais que je serais la seule à le savoir. T'en fais pas. J'ai encore plein de jolis secrets à te dévoiler, rien qu'à toi. C'est vrai? Hé hey, de quoi est-ce que vous parlez, les tourtereaux? De rien. De rien? Vous pouvez nous le dire. Oui, c'est pas beau de garder des secrets. Celui-là ne vous regarde pas. Maximus, attaque! Hein? Oh non, mais c'est pas vrai! Tout est bien qui finit bien. Et voilà, bien du coup, Maximus à tout jamais. Changement de forme, ok, bon, ça c'est comme d'hab. Hein. Et voilà, encore un monde dont on ressort bredouille. Est-ce que t'es sûr que cette boîte existe vraiment? Oui. Ah ouais? Et qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est simple, c'est écrit. C'est quoi? Viens avec moi. On va où? Ces trois crétins vont pas nous aider pour le coup. Sora cherche pas cette boîte, c'est évident. Et qui est-ce qui a parlé de les suivre? Oh. Trop tard? Oui. Evan en saurait plus sur les répliques qu'il travaillait dessus quand il était Vexen dans l'organisation. Il a été reconstitué, comme nous autres, mais il n'avait pas encore repris connaissance. Il a sûrement dû se réveiller et s'enfuir après le départ de Lee. Depuis sa disparition, Aelus, ici présent, et Dylan ont passé la ville au peigne fin pour essayer de retrouver Evan. Mais en vain. C'est mauvais signe. Et ses recherches alors? Malheureusement, son travail sur les répliques est resté inachevé. Il reste peut-être quelques documents. Cependant, ils datent d'avant tout progrès significatif. Et tu sais où Evan aurait pu aller? Eh bien, il ne peut aller nulle part maintenant qu'il est humain. Il n'a aucun moyen de quitter ce monde à présent. Les couloirs obscurs. Ils sont au-delà de ses facultés, et des miennes dorénavant. Ah, mais ce n'est pas le cas pour tous. Et si Evan s'était fait enlever? Mais oui! L'organisation pourrait aussi se servir des répliques! Afin de combler ses rangs. Il faut prévenir Maître Yen Sid, et Sora, et les autres aussi!
L'humanité est un don précieux. Et pourtant, tu souhaites réintégrer l'organisation. Mais oui, bien sûr. Une éradication des mains d'Axel m'a aidé à comprendre à qui je ne dois pas me fier. Il t'a offert une seconde chance de vivre. Il m'a arraché à la seule chose qui compte pour moi. Alors au diable l'humanité. Je veux mes recherches. Je dois les mener à bien, quel qu'en soit le prix. Les répliques. Oui. Bientôt elles remplaceront, au lieu de simplement répliquer. Avec un cœur, elles seront alors aussi réelles que n'importe quel être humain en ce monde. C'est une excellente nouvelle. Après tout, si nous t'avons convié parmi nous, c'est essentiellement pour nous fournir le dernier réceptacle, Vexen. Il y a une nouvelle zone. Tu devrais aller voir. Ah, du coup, maintenant, Vexen a rejoint du coup l'organisation de Vexen. Eh bah, il est retour là-bas. Ce qu'on va faire du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour cet épisode, on aura quand même pas mal avancé, on aura fini du coup le monde de Corona, et la prochaine fois, on verra bien où on ira. Merci d'avoir suivi cet épisode, les gens, à très vite pour la suite de Kingdom Hearts 3 en français. Ciao tout le monde.